Avec le plan routier 2010-2020, le département prévoit de passer de 300 à 500 km de deux fois deux voies. Le budget total de ce plan routier s'élève à 500 millions d'euros et il permettra entre autres l'aménagement de six grands axes. Premièrement, la route bleue qui relie Challans à Talmont sera élargie en quatre voies. Le projet prévoit également les contournements d'Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire et Soulan. Deuxièmement, le conseil général prévoit de terminer l'axe Aisne-Challans en deux fois deux voies. Dans la continuité des travaux, l'aménagement de la rocade nord de la Roche est également prévu. À l'est, sur la rocade du Bocage, sera mise en service la nouvelle liaison Pouzauges-Réaumur, l'axe Chefois-Réaumur et les contournements de Saint-Michel-Mont-Mercure et Réaumur. Concernant l'itinéraire Bournezeau-Chantonnay, il sera transformé en quatre voies à partir de 2011. Pour l'axe La Roche-La Tranche, même projet, la première section du contournement de Moutier-les-Mauffets par l'ouest sera mise en service avant l'été, mais il faudra attendre 2012 pour l'ouverture du contournement complet. Enfin, dernière priorité, l'axe La Roche-Luçon. Plusieurs créneaux de dépassement sont prévus ainsi que le contournement de Mareuil-sur-Lay. Le plan routier 2010-2020 permettra une plus grande fluidité et une meilleure sécurité du réseau routier. Des améliorations importantes quand on sait que le trafic en Vendée augmente de 3% par an.